Un lieu authentique et original, c'est la première impression que donne la brasserie L'Écouse avec ses tables en tonneaux et ses fresques murales. Mais le concept va bien plus loin, il s'agit en fait de créer une bière locale unique en variant les saveurs avec des produits uniquement guadeloupéens. Notre but, c'est de faire une vraie bière authentique à Guadeloupe. Donc on sait que beaucoup de la matière première de la bière, c'est importé. L'orge, le blanc, viennent de Nord-Amérique, d'Europe. On cherche des produits locaux pour faire l'aromatisation, pour donner une identité vraiment guadeloupéenne à la bière. Et on fait ça surtout avec notre bière blanche qui s'est aromatisée avec la citronnelle et gingembre. Aussi, on a une bière brune, Sika Coco. On a travaillé avec des bananes et des bananes ananas, et aussi avec bananes et mangue avec notre bière blonde. Donc on a notre base de bière qui c'est la bière classique qu'on trouve dans tout coin du monde, mais ces trois recettes ou ces quatre recettes, vraiment c'est un produit qui on peut, c'est spécial, c'est à la Guadeloupe. Et posté devant le local se dresse un camion tout aussi original, le Caribou Food Truck spécialisé dans les fameuses poutines québécoises. Les deux restaurateurs ont répondu présent à la demande des brasseurs qui cherchent à valoriser les food trucks locaux en les invitant sur leur espace. Et les poutines n'ont plus à prouver leur succès auprès des Guadeloupéens. Notre clientèle est très, 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 très locale. Donc, les locaux, ils sont super contents de découvrir autre chose. Il y en a beaucoup qui connaissent le Québec, qui ont voyagé au Québec ou qui ont étudié au Québec. Donc, pour eux, ils retrouvent un peu le plat emblématique, si je peux dire, de la belle province. Ici, on rejoint beaucoup plus de clientèle. L'ambiance est cool. Tu peux manger ta poutine avec ta bière. Sur place, tu n'attends pas, par exemple, une demi-heure avant de la manger en retournant chez toi. Tu as de l'ambiance, il y a de la musique. Les gens viennent entre amis et tout. Donc, c'est bien cool. Carton plein ce soir pour le Caribou Food Truck qui a bouclé toutes les réservations avant même le début de la soirée. Il faut croire que poutine et bière locale font bon ménage et attirent beaucoup de clients. C'est une très bonne ambiance, c'est chaleureux, c'est amical, c'est convivial, donc on s'y plaît. La preuve, on est venu en groupe pour passer un bon moment. Ben, le plat, il est copieux, très copieux, mais super bon. C'est pas léger du tout, donc les kilos, c'est sûr que ça fera l'affaire des vacances. Mais bon. La brasserie compte bien renouveler l'expérience tous les mois en mettant à l'honneur à chaque fois des food trucks différents, mais en gardant toujours la bière locale comme élément central sur les tables.